Débute entre les deux plus mauvaises équipes de 2016, entre l'AC Ajaccio et le Stade de Reims. Les Ajacciens s'imposent 2 buts à 1. Le premier but, il est inscrit par Adrien Moutou. C'est lui qui avait même marqué le but du 1-0 lors de la saison dernière. 1-0 pour l'AC Ajaccio. Puis 2-0 grâce à ce coup de tête de Michael Tagliafico contre son camp. À ce moment-là, les Rémois sont officiellement en Ligue 2. Mais gardons un tout petit essor grâce à ce but d'Onyonge. Reims est dernier. L'AC Ajaccio est 11e. Le Paris Saint-Germain s'impose à domicile 3 buts à 1. Parce que le premier but, il est inscrit par Lucas sur ce mauvais renvoi de la tête d'Ilan. Le suivant, il est inscrit par Zlatan Ibrahimovic sur penalty. Le suivant par Lavezzi, 3-0 pour le PSG. Puis, c'est Kasri qui réduira la marque et met fin à la visibilité de Sirigu qui s'est levé à 9,59 minutes. Le PSG s'impose tout de même 3 buts à 1 et garde la distance avec 16 points d'avance sur Monaco, Sochaux et Saint-Étienne. Évidemment, on retrouve à la troisième place, mais avec une moins bonne différence de but par rapport à Paris. C'est Sochaux. Sochaux qui s'impose à domicile 2-0. Le premier but, il est inscrit par Lindsay Rose contre son camp. Le suivant inscrit par Carlao. Sochaux est quatrième à égalité de points avec Saint-Étienne et Monaco. Les événements ont fait boire la tasse aux Lyonnais. 4 buts en l'espace d'à peine demi-temps. Le premier but il est inscrit par Berigo à la 17e. Le suivant par Facundo Bertoglio à la 26e minute. Ça fait 2-0, puis 3-0 grâce à un but malheureusement de Gonalon contre son camp de la tête à la 36e, ça fait 3-0. Puis 4-0 avec ce but sublime de Barbosa, le vétéran de 37 ans. À 44e, Evian s'impose 4-0. Les Nantais ont fait match nul à domicile, 0-0, score final. Beaucoup, les Nantais et Guingamp ont beaucoup tenté. Nantes est 16e et ne possède que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Guingamp en possède 5 et se classe à la 14e place. L'OM s'impose et n'est plus relégable, qui laisse la place de relégable à l'Olympique Lyonnais. Les Marseillais s'imposent à domicile, 1 but à 0 grâce au but de Rod Fanny à la 94e minute. Pas de but pour le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Toulouse est 12e, Bordeaux est 8e. Pas de but non plus entre l'AC Ajaccio et le LOSC. Les Ajacciens ayant déjà joué leur deuxième match. L'AC Ajaccio est tout de même 11e avec 31 points. Le LOSC, lui, est 9e. Seulement 14 buts inscrits lors de cette 25e journée, c'est le plus faible total depuis la Ligue Immanquable. Aucun succès à l'extérieur, seulement des succès à domicile. Le PSG leader avec 67 points suivent Monaco, Sochaux et Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est devant par rapport à la différence de but. Les trois ont le même nombre de points et la même différence de but. Valenciennes, qui s'est incliné deux fois, pouvait être sur le podium. Bastia est dixième. Derrière Bastia, il y a son autre voisin corse, l'AC Ajaccio. Les Ajacciens sont 11e avec 7 points d'avance sur le premier relégable. La zone de relégation qu'occupe l'Olympique Lyonnais, Montpellier et le Stade de Reims. Le programme de la 26e journée, dans 2 jours, le Stade de Reims, et plutôt Rennes, affronte le PSG à domicile. Nantes ira défier Lyon chez lui à domicile. Enfin, pour beaucoup d'affiches de gala, comme à Nice Saint-Étienne.